Mes chers collègues, monsieur le rapporteur, monsieur le directeur général, nous allons donc commencer ce matin les travaux de la mission d'information commune sur la Banque publique d'investissement BPI France par l'audition de son directeur général, Nicolas Dufourcq, que nous remercions de sa présence ce matin. Et c'est bien naturel que nous commencions cette mission par votre audition. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous aurons l'occasion d'entendre trois des directeurs exécutifs de BPI France, ce qui nous permettra d'approfondir les sujets que nous aurons l'occasion de développer ce matin. Rappelez, puisqu'il s'agit de la première audition, que la mission a été constituée à la demande du président de notre Assemblée et a pour objet d'établir un bilan, une évaluation de l'activité de BPI France qui a été créée par la loi du 31 décembre 2012 sous différents axes. En premier lieu, en matière de bilan d'activité et pour faire une appréciation de sa conformité par rapport aux objectifs qui ont conduit à la création de BPI France, reconnaître au travers de ces objectifs qu'il s'agissait d'accorder en premier lieu des prêts garantis aux PME et aux entreprises innovantes. Deuxième point, en matière de soutien en investissement en capital dans les entreprises pour les accompagner tout au long de leur développement et de soutenir et de les aider dans tout ce qui concerne l'innovation. Et également en matière d'efficacité économique, dans la mesure où celle-ci peut être à ce stade appréciée. Il nous appartient aussi, au cours de cette mission, d'aborder les questions relatives à la gouvernance au sein des structures de BPI France et dans ses relations avec les régions. Nous aurons donc l'occasion d'aborder ces différentes questions et nous appartient de pouvoir vous entendre, monsieur le directeur général, puisque vous avez été nommé par décret du président de la République le 7 février 2013, c'est-à-dire quelques jours après la création de BPI France, et très vite. Donc je vais vous donner la parole pour une présentation générale au regard des éléments de la mission, et nous aurons ensuite l'occasion d'échanger en vous posant éventuellement des questions, que ce soit dans un échange entre les membres de la Commission et vous-même. Donc,